Salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas moi ça va super, excusez-moi un petit peu pour l'éclairage et pour les conditions de la vidéo. Je vous tourne cette vidéo, c'est plus de 22h, voilà. Bon, ça explique un peu la qualité de la caméra, voilà, tant que j'ai pas de vraie caméra ça sera comme ça. Mais bref, l'important c'est le showcase quand même. On va aller tester après cette mise à jour. Je voulais vous sortir cette vidéo cet après-midi, j'ai vraiment pas pu tourner de showcase à cause de la mise à jour qui s'est vraiment attardée, vraiment. Elle a duré très très longtemps comme vous le voyez. Et donc on va aller tester le Goku dans une team assez spéciale. On va aller tester le Goku rouge ici, donc que j'ai eu avec vous en invocation dans un live. Donc ici le Vegeta que j'ai eu 6 étoiles avec les âmes pour ceux qui le savent pas. Et en plus de ça, on va aller jouer avec le Mirai Gohan. Donc le but c'est quoi? C'est de perdre les deux derniers personnages que je vous ai montré, donc le Vegeta et le Mirai Gohan, pour avoir vitesse de pioche plus 2 sur le Goku et également un boost de dégâts. Vous allez voir, il va tout détruire des 1v3. Ça va être vraiment vraiment très très pas simple, parce que voilà, avec le nouveau mode de PVP d'ailleurs, le matchmaking a changé, donc on va tomber sur des très très grosses teams et tout le temps quasiment à 100%, et c'est vrai que c'est bien, sur des très très gros joueurs. Donc le showcase ça va être de plus en plus compliqué, mais bon voilà, c'est comme ça, on va s'adapter. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner, vraiment c'est très très important, on est au 2120, merci à tous. Et bon les gars, je m'excuse clairement de ce que vous venez de voir comme game. Je viens de la voir à l'écran, donc il y a tout qui buguait, l'image, le son, il n'y a rien qui allait. Donc je m'excuse les gars, mais je compte vraiment vous mettre cette game quand même, parce qu'elle était vraiment vraiment impressionnante. Donc je m'excuse les gars, c'est terrible, c'était vraiment pourri. Mais voilà, au moins on voit la game, c'est le principal. Donc les gars, deuxième game, let's go. Voilà la team famille Goku, ça va pas être simple non plus hein. Ok, le breakover qui passe, en vrai tant mieux pour nous. Comme ça on va pouvoir mettre le Mirai Gohan jaune, pour pas prendre trop de dégâts, parce que là on a fait un terrible début de game. Là c'était vraiment terrible. Les gars, ça s'enchaîne pas très très bien. Bon, il aura pas de spé. Et là c'est parti, le Goku c'est parti. La vitesse de pioche. Oh là 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 là. Oh là là les gars. Heureusement, heureusement. On va perdre le Vegeta ici déjà. C'est pas bon pour nous, parce que là on aurait pu au moins faire l'aspect, mais bon. Oh non, on va pouvoir. Nice, ça part les gars, ça peut nous mettre très très bien pour la suite de la game. Tant pis, on va le perdre ici, voilà. Ça n'a pas été très compliqué pour lui. Attention, parce que lui aussi là il va perdre le Goku assez rapidement. Ok, ça me dérange pas tant que ça en vrai. Ça nous dérange par contre, parce que là il va pouvoir nous rising rush. Même pas forcément d'ailleurs. Ah, ici avec l'ulti il va nous tuer. Il va nous tuer, j'ai misplay, j'aurais pas dû les gars, j'aurais pas dû cover. Enfin cover, le faire rentrer tout court. Ouais, parce que là la game est quasiment finie. On va la perdre. Bon, on va clairement la perdre, hein, je pense. Hein.
Ouais, on va la perdre. On va la perdre, donc cette game, les gars, elle est perdue, mais je vais vous la montrer quand même. Pourquoi? Parce qu'on a vu quand même des très très bons dégâts du Goku. Voilà, c'est aussi l'effet le buzz de la team. J'ai fait un misplay. Ça aurait sans doute été autrement sans le misplay. Tant pis. Voilà, on va terminer la game ici et puis on va enchaîner sur une autre. Ok, donc il y a forcément des grosses teams et des belles teams en face, hein, les gars, il n'y a pas photo. Mais encore une fois, je m'excuse, je suis en train de voir que la cam aussi c'est pareil, mais bref, je sais pas, peu importe, les gars, l'important c'est le showcase malgré tout. On va prendre le même trio, de toute façon, on va pas se prendre la tête, vous allez voir, hein. Même à contre-type, ça peut être incroyable, vraiment incroyable. Bon, qu'est-ce qu'il aura choisi ici? Qu'est-ce qu'il aura choisi? Ouais, bah le trio normal, hein. Ok, là on va faire une strike. Ok, il choisit le... Ok, il choisit d'encaisser, tant mieux pour nous, hein. Et ça c'est esquivé et c'est le début de la décadence là, les gars, c'est le début de la décadence. Ok, il se paie direct. C'est risqué ça, mais... Ok, nice, ça c'est bien pour nous. Je pense pas qu'il ait encore récupéré le végétaux, voilà. Oh bah là on va le tuer. Nice, on va le tuer, on va même faire ça. On va même faire ça, comme ça on va récupérer la carte verte ici. On est en train de se mettre bien. On est en train de se mettre bien, la carte verte ici. Donc là on va garder le main. Non, on va mettre le malus. Ok, on va même mettre plus que le malus là. Oh ya 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 ya, il a beaucoup. Let's go. Let's go le Rising Rush les gars. S'il y pense, on a une verte en main. Je sais pas s'il va y penser. Putain, le Mirai Gwanjone qui fait mal, hein. Bah là, on s'est presque donné la game. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, mais là ça c'est vraiment... Tout est parfait. Même pas besoin d'avoir de mort. Oh, le Goku, il est impressionnant à 3 étoiles. Impressionnant. Allez, on va faire l'ulti ici, au pire. Ah, dommage. Je voulais dispel. Tant pis. On va mettre le Vegeta, on va mettre le Vegeta. Vraiment là, au pire une Rising Rush. Et même, j'aurais même dit tant mieux. Comme ça il sera à poil pour le Goku. Là il donne tout, hein. Là il donne tout, il va Rising Rush au final en plus. Donc c'est, même pas. Ok, bah là c'est un peu risqué de sa part. Parce que si on touche on a gagné, hein. Ok, il nous stun pas. Et là, si nous Rising Rush, par contre, on mettra... Ok. Nice, on a gagné. Et là, on va aller finir avec le Goku, tranquillement. Il met un petit peu moins de dégâts, vu qu'il y a des ennemis morts. Oh là là, la team, vraiment, elle tourne très très bien. Elle tourne comme une horloge. Vous avez vu, Mirai Gwanjone, c'est vraiment pas à négliger. C'est vraiment toujours un bon personnage, oui. Bon, je sais vraiment pas si c'était une bonne option, hein, d'être top 2500... face à... Après cette match, parce que là le showcase est vraiment compliqué. Regardez le genre de team qu'on tombe. On va essayer de faire notre mieux. Moi je sais pas comment on va faire, hein. Il y a trop d'étoiles en face, mais bon, on verra bien. On a écouté le pas de côté. On va mettre au moins une strike, ça c'est sûr. Le break over. On a déjà 3 boules de cristal, c'est pas mal quand même. Nice, ça c'est bien. Ici il se paie directement. Voilà, ça fait mal. On va aller booster. Oh non, on va rien booster du tout. Ah si, ça part. Ok, ça part, je pensais que ça allait pas pouvoir partir. Déjà. Ok, ça allait très très rapide ici. Est-ce qu'il y a une SP de tomber? On n'a pas eu. Ok. Je ferais mieux de me taire à des moments. Je ferais mieux de me taire. Donc là, il va nous tuer du coup, hein. Il a eu le Rising Rush à une vitesse.
C'est terrible. Il a déjà la carte verte. Je peux que l'encaisser ici. Je peux que faire. Je peux rien faire. Parce que si je switch et qu'il me stun, je suis mort. Donc. Il cover ici, ça c'est pas trop mal pour nous. Hein. Vous allez voir avec la vitesse de pioche plus 2 là par contre les dégâts. Bon. Dommage qu'on ait pas une petite réduction du coup quand même des cartes. Ok, ça bug hein. L'adversaire et qui doit se demander comment c'est possible d'ailleurs. Hein. Il va nous rising rush, je pense. Hein. Non, peut-être pas. Ok. On va tuer, on a encore l'esquive, c'est pas fini. Hein. Ok, là on prend pas le risque, les gars. Let's go. Ça part, on a peut-être la game dans les mains. Allez, let's go. Nice. C'est la win, je suis refait. Le Vegito qui prend des Tarsha du futur. Le 1v3 encore du Goku. Deuxième 1v3, vous avez vu, hein, c'est n'importe quoi. Vitesse de pioche plus 2. Les dégâts, c'est complètement ouf. Voilà. Cette unité est complètement craquée. Oubliez pas les étoiles qu'il y avait en face, les gars. Celle, c'était full étoile jaune. Vegito, 7 étoiles. Et Zamasu, beaucoup d'étoiles rouges. Là. C'était vraiment, on aurait mis 3 fois plus de dégâts s'il n'y avait pas autant d'étoiles. Vraiment, ça aurait pu être légendaire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va terminer la vidéo aussi, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Je m'excuse encore un peu de la qualité de la vidéo. Voilà. Il y a des petits soucis, mais bon, c'est la reprise. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Là, j'avoue que le PC est en PLS. Donc, voilà. Les gars, je vous dis comme d'habitude, bon courage pour vos invocations. Bon farm à tous. Ciao!